La goutte épaisse, c'est l'examen microscopique d'une goutte de sang sur une lame en vue de chercher les parasites du sang et précisément les plasmodiums. Pourquoi on a utilisé les parasites du sang au lieu d'utiliser directement les plasmodiums? On a utilisé là-bas les parasites du sang et puis on a précisé les plasmodiums parce qu'on peut voir d'autres parasites sur une lame de goutte épaisse qui n'est pas les plasmodiums. C'est le cas des trypanosomes ou des microfilaires, des leishmanioses, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui, nous allons clore la formule de quantification et avoir encore plus de détails. Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer comment on doit quantifier une lame de goutte épaisse lorsque c'est positif, n'est-ce pas? On va vous donner des formules de quantification. Je vais vous donner des formules de raccourci. Je vais vous donner aussi même le nombre de globules rouges parachutés, n'est-ce pas? Alors, pour ce faire, il faudra faire d'abord votre goutte et frottis, n'est-ce pas? Tout en respectant la qualité d'un bon frottis, n'est-ce pas? Et la qualité d'une bonne goutte épaisse, n'est-ce pas? Et respecter aussi la méthodologie de coloration. Alors, lorsque vous faites la goutte épaisse et que vous colorez au mugwort de Jimsa, vous allez observer avec les microscopes, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous observez, ayez d'abord deux compteurs dans la main, n'est-ce pas? Un compteur pour compter les globules blancs, parce que quand on dit globules blancs, si tu vois lymphocytes, neutrophiles, éosinophiles, basophiles, monocytes, tu les comptes avec un compteur. Si tu vois les parasites, tu les comptes avec l'autre compteur. Mais tu ne commences qu'à compter que lorsque tu vois un parasite. C'est quand tu commences à voir les parasites que tu commences à faire les comptages. C'est compris? Voici nos deux compteurs, n'est-ce pas? Un compteur pour les globules blancs, un compteur pour les parasites. Et on ne commence qu'à compter que lorsqu'on voit les parasites. Je vais vous montrer ici, dans ces différents microscopes-là, comment se présentent les plasmodiums. Et puis, on va passer à l'écran, vous montrer encore de façon très, très claire comment se présentent des plasmodiums et puis comment on compte. On regarde ici ensemble d'abord. Alors, pour maîtriser le comptage, il faudra maîtriser d'abord la formule de quantification qu'on va regarder ici. D'accord? C'est très important de maîtriser cette formule donnée par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord? Alors, nous allons regarder ici. On dit bien si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu, parasite par microlithe, microlitre est égal à nombre de parasites comptés multiplié par 8000 sur nombre de globules blancs comptés. En général, c'est 200 à 500. Soit on se limite à 200, soit on se limite à 500. N'est-ce pas? Alors, ce qui va nous donner les formules suivantes. Ici, c'est lorsque la parasitémie est élevée. S'il y a beaucoup de parasites, vous devrez vous limiter seulement à 200. N'est-ce pas? Lorsque la lame est faiblement positive, nous allons partir jusqu'à 500 globules blancs. Alors voici lorsque vous avez la lame qui est fortement positive, vous pouvez vous limiter à 200 globules blancs. Voici cette formule. Parasite par microlitre égale à nombre de parasites comptés multiplié par 8000 sur 200 GB comptés. Parce que ici vous avez beaucoup de parasites, vous pouvez vous limiter à 200. Mais lorsque la lame est faiblement positive, vous allez avoir cette formule-là. Parasite par microlitre égale à nombre de parasites comptés multiplié par 8000 sur 500 GB. Là, vous allez partir avec le compteur des globules blancs jusqu'à 200 globules blancs pour arrêter le comptage. N'est-ce pas? Alors, après, je vais vous donner la formule des raccourcis, n'est-ce pas? Cette formule qui rend beaucoup de techniciens paresseux. Je vous explique la formule ici. Pour l'explication de cette formule-là, parce que je vous ai demandé de prendre deux compteurs. Un compteur pour les globules blancs, un compteur pour les parasites. Et on ne commence qu'à compter lorsqu'on voit un parasite, n'est-ce pas? Alors, si on se limite par exemple à 200 globules blancs, vous commencez à compter, n'est-ce pas? Vous comptez en même temps les parasites, en même temps les globules blancs. Vous allez arrêter le comptage lorsque votre compteur de globules blancs arrive à 200. Voici ces 200-là qui est là. Le nombre de parasites que vous avez eu, vous allez l'écrire en haut ici. Les 8000 n'est que
le nombre leucocytaire moyen d'un individu. Parce que quand on prend la valeur normale des globules blancs, c'est un individu normal, ça varie entre 4000 à 10 000, n'est-ce pas? Alors, voici d'où vient les 8000. Et puis, on vous a bien expliqué en haut, c'est lorsque le nombre du globule blanc du patient n'est pas connu, n'est-ce pas? Mais lorsque le patient a fait les NFS, vous allez avoir son nombre de globules blancs, vous allez le remplacer par les 8000. C'est très clair, n'est-ce pas? Le nombre de paragites, c'est les paragites que vous allez compter avec l'autre compteur. Et les 200 ou 500 là, c'est votre compteur de globules blancs, n'est-ce pas? Le nombre de globules blancs que vous avez compté. Je vous ai dit de vous limiter à 200 lorsque vous avez une lame fortement positive. Lorsque la lame est faiblement positive, il faut aller jusqu'à 500 globules blancs, n'est-ce pas? Et les 8000 n'est que le nombre leucocytaire moyen d'un individu. C'est lorsque le nombre de globules blancs des patients n'est pas connu. Mais lorsque cette valeur-là est connue, vous allez remplacer cette valeur-là par les 8000, d'accord? Alors après, je vous donne la formule des raccourcis. Alors pour commencer à compter, on va partir d'abord, vous montrer d'abord les images au microscope et puis on va passer à l'écran de l'ordi. Alors maintenant, regardez très bien. Dans ce champ-là, vous voyez, ça c'est un globule blanc. Vous voyez, c'est un lymphocyte, n'est-ce pas? Par contre, vous pouvez remarquer dans les champs, voici les plasmodiums. Regardez comment ils sont, n'est-ce pas? Vous pouvez remarquer, regardez, tout ça ce sont des plasmodiums. Regardez, vous voyez, tout ça ce sont comment se présentent les plasmodiums. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vous ai dit que ce compteur là, c'est pour compter les globules blancs, n'est-ce pas? Ça, c'est pour compter les paragites. Alors, je vais compter ici dans ce sens là, 1, n'est-ce pas? Voilà, je compte ici un globule blanc, n'est-ce pas? Et puis, je vais commencer maintenant à compter ici les paragites, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et regardez, je vais compter ici jusqu'à 28, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, n'est-ce pas? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vous voyez? 28 plasmodium. Maintenant, je vais changer des champs microscopiques. Voilà. Regardez dans les champs microscopiques ici. Ici, regardez. On ne voit que les gros violets là. Regardez, ils sont au nombre de 4. Ce sont des lymphocytes, n'est-ce pas? Par contre, vous regardez ici. Comment sont les paragites, n'est-ce pas? Ils ont la tête rougeâtre et le cytoplasme en forme de point virgule. Et je vais passer maintenant à l'écran de l'ordi pour vous les montrer. Regardez ici. Vous voyez, on a 5 lymphocytes. Ça veut dire que 5 globules blancs. N'est-ce pas? Alors, vous allez compter ces 5 globules blancs. N'est-ce pas? Et puis, compter les paragites qui sont ici. On passe à l'écran pour vous montrer. Voilà, dans ce sens-là aussi, regardez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, on a 10 globules blancs. Alors, je vais compter les 10 globules blancs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez? Alors, je vais continuer à compter les paragites. Regardez bien comment sont ces paragites-là. Vous allez les compter aussi avec... Hein? Les globules blancs, le compteur des paragites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous voyez, maintenant, j'ai fini de compter les paragites et les globules blancs. Je vais changer encore des champs. Regardez ici dans ce champ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 globules blancs. Je vais toujours continuer à les compter, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre de paragites aussi, je vais les compter encore, n'est-ce pas? Dans ce champ. Vous voyez, je vais varier maintenant des champs. J'ai fini de compter les globules blancs dans ce champ. À chaque fois, vous changez des champs microscopiques, ok? Ici aussi, on va compter les globules blancs. 1, 2, 3, 4, 5. N'est-ce pas? On va les ajouter encore. 1, 2, 3, 4, 5.
5, n'est-ce pas? Et on va compter les parasites ici aussi, n'est-ce pas? On va les compter avec l'autre compteur. Voilà, on a fini de compter dans ces champs. On va varier toujours. Il faut toujours changer de champ. Dans ces champs, nous avons des globules blancs. Je vais les compter encore. C'est un D. Et nous allons encore continuer à compter les parasites, n'est-ce pas? Voici un autre champ. Je continue toujours à compter. Vous allez voir, c'est la même chose que vous allez voir dans les champs microscopiques, n'est-ce pas? Alors, vous continuez à compter, n'est-ce pas? On continue toujours à compter les parasites. En même temps, on compte les globules blancs qui sont dans ces champs. 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir que lorsque le compteur des globules blancs arrive à 200, je vais arrêter les comptages. Maintenant, on va passer à la formule de quantification. Alors, voici pour nous les calculs, n'est-ce pas? On va écrire parasite par microlitre. Et regardez, on s'est limité à 200 globules blancs. On va écrire ces 200-là ici. Et le nombre de parasites qu'on a compté ici, c'est jusqu'à 3200. Alors, on va ajouter les 8000, n'est-ce pas? Alors, voilà, on a eu, lorsqu'on s'est limité à 200 globules blancs, voici ces 200-là qui est là. On a eu 3200 parasites et on a ajouté les 8000 quand on raccourcit. D'accord? C'est comme si on prend directement 3200 multiplié par 40. Ce qui va nous donner les 28 000, 128 000, hein, parasites par microlitre. Vous voyez? Maintenant, voici lorsque vous êtes avec une lame qui est fortement positive. Vous pouvez vous limiter à 200 globules blancs, n'est-ce pas? Et on va passer maintenant dans les cadres où il faut aller jusqu'à 500 globules blancs. Voici dans les cadres où il faut aller jusqu'à 500 globules blancs. Vous voyez ici, il y a beaucoup de globules blancs, mais quand vous regardez, vous voyez un rare parasite, n'est-ce pas? Ici, je peux compter ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Tous les restes là, ce sont des globules blancs, n'est-ce pas? Alors, ici aussi, je vais compter les globules blancs et les parasites, n'est-ce pas? Je vais compter en même temps les parasites, en même temps les globules blancs, jusqu'à ce que mon compteur de globules blancs arrive à 500 pour arrêter les comptages. Voilà, ici, on a fini de faire les comptages. Regardez. Sur 500 globules blancs, là, on a compté que 25 parasites. On va ajouter maintenant les 8000, n'est-ce pas? Et si on simplifie ici aussi, c'est comme si on a 25, hein, multiplié par 16, qui nous fait, hein, 400 parasites par microlitre de sang, n'est-ce pas? Ici, on va écrire parasites par microlitre. Ça, c'est lorsque la lame est faiblement positive. Hein, vous voyez, vous allez à partir jusqu'à 500 globules blancs. Mais lorsque la lame est fortement positive, vous allez vous limiter à 200 globules blancs. N'est-ce pas? Et maintenant, voici des éléments qu'on peut rencontrer aussi qu'il faut signaler. On va passer maintenant à l'écran de l'ordinateur pour vous montrer ces éléments-là, ce qu'on appelle les gamétocytes et les zygotes. Maintenant, voici les gamétocytes qu'on peut rencontrer sur une lame de goutte épaisse, hein, qu'il faudra toujours signaler, n'est-ce pas? Je vais passer dans d'autres formes de gamétocytes. Les gamétocytes, c'est une des phases du plasmodium qui assure la transmission de la maladie et le survie de l'espèce, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici aussi, voici comment il peut se présenter souvent en forme de banane, dont vous allez voir à l'intérieur, il y a des pigments, n'est-ce pas? Regardez ici aussi, vous voyez, tout ça, ce sont des formes de gamétocytes, n'est-ce pas? On va continuer ici aussi, voici l'une des formes de gamétocytes. Ici, vous avez les zygotes, n'est-ce pas? Ne les comparez pas par rapport à des agrégats plaquettaires, n'est-ce pas? Les zygotes, ce sont des phases du plasmodium qui sont rarement visibles sur les lames de goutte épaisse, n'est-ce pas? Par contre, on rencontre généralement les gamétocytes. Par contre, les zygotes, et ils sont rarement rencontrés sur les lames de goutte épaisse. Alors, il faudra signaler, hein, la présence des gamétocytes et des zygotes. Voilà, regardez ça, c'est des agrégats plaquettaires. Ce n'est pas à confondre avec
Les suivantes, d'accord, vous voyez comment sont les agrégats Brackett, qui sont des fragments disquettes de lamelles rosaces, n'est-ce pas? Il ne faut pas les confondre avec les suivantes. Alors, voici comment il faut retranscrire les résultats, n'est-ce pas? Lorsque la goutte épaisse est positive, vous allez écrire positive, présence de plasmodium falciparum, d'accord? Présence de. Regardez, présence de plasmodium falciparum, forme trophozoïte, soit, et puis vous allez mettre la densité par l'agitaire, en gros, on a eu 128 000 trophos par microlitre de sang. Alors, lorsque la lame, elle est négative, vous allez écrire absence d'hématozoaire ce jour-ci. C'est bien que demain, ça sera la phase sanguine. Maintenant, beaucoup de personnes ont posé la question pour savoir quand est-ce qu'on parle de pali grave, pali moyen et pali faible. Alors, je vais écrire ici pali grave, n'est-ce pas? Ici, je vais écrire pali moyen, n'est-ce pas? Ici, je vais écrire pali lorsque la proxémie est faible. Ici, lorsque la personne, on parle de pali grave, lorsque vous allez faire la quantification, c'est supérieur ou égal à 100 000. 100 000 trophos, hein, par microlitre de sang. N'est-ce pas? Alors, ici, vous allez voir que quand c'est moyennement, vous allez voir que ça commence d'abord de 2 500 à 100 000. N'est-ce pas? À 100 000 trophos par microlitre de sang, n'est-ce pas? Mais lorsque c'est faiblement possible, vous allez voir que c'est inférieur à 1 500 trophos, plutôt à 2 500 trophos par microlitre de sang. Alors, voici pour vous comment on peut qualifier la personne si la personne fait du pali grave, pali moyen ou du pali faible. Ça veut dire que la densité, en fonction de la densité par agitaire, les personnes qui font du pali grave ont toujours la densité par agitaire supérieure ou égale à 100 000. Ceux qui font du pali moyen sont entre 2 500 à 100 000, n'est-ce pas? Et ceux qui font du pali dont la lame est faiblement positive, c'est inférieur à 2 500 trophos par microlitre. Mais ça, c'est après la quantification. Maintenant, voici la formule de raccourci pour vous. Bon, je n'aimerais pas que vous appliquiez tout le temps la formule de raccourci, ça rend pas riche les techniciens, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Regardez, lorsque on commence à compter, on peut se limiter à 100 globules blancs, n'est-ce pas? Alors, tu trouveras qu'on a eu beaucoup de parasites, on est jusqu'à 6 200. Et pourtant, on n'est même pas arrivé à 200. Pourtant, dans la formule générale, on nous a dit de nous limiter à 200 ou à 500. Alors, je vais multiplier ici par 2, n'est-ce pas? Ça va me donner les 200. Je serai obligé aussi de multiplier ici par 2. Alors, si on multiplie ici par 2, ça va nous donner 12 400. Alors, on va ajouter les 8 000. D'accord? Et puis, vous allez calculer. Voici, deuxième exemple encore. Pour ceux qui sont très, très paresseux, ils vont se limiter. Supposons qu'on a eu 4 800 parasites, mais ils se sont limités à 50 globules blancs par paresse. Alors, pour appliquer la formule de raccourci, ils vont multiplier ici par 4, n'est-ce pas? Alors, ça va vous donner les 200. Ils vont multiplier ici par 4. Alors, ça nous donne 19 200 et puis ils vont ajouter les 8 000, n'est-ce pas? Et puis vous allez calculer. Voici la formule des raccourcis pour vous, n'est-ce pas? Souvent, vous allez voir que vous allez trouver un rare globule blanc, tellement que le sang est tellement rempli. On suppose que ces personnes-là, ils ont eu 4 100 trophos, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'à 200 globules blancs. Ils vont se limiter à 20, n'est-ce pas? Alors, ils seront obligés de multiplier ici par 10, n'est-ce pas? Qui va nous donner les 200. Ils vont multiplier aussi ici par 10, n'est-ce pas? On va mettre 4 000, ça fait 41 000, n'est-ce pas? Et puis ils vont ajouter
les 8000. Voici la formule des raccourcis, n'est-ce pas? C'est une formule que je n'aimerais pas que les techniciens utilisent très généralement parce que ça rend beaucoup, 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 beaucoup paresseux. Alors, nous allons passer maintenant comment calculer le nombre de globules rouges par unité. Ça aussi, c'est très, très, très important. On va continuer encore toujours avec les données qui sont données par l'Organisation mondiale de la santé. La formule, on dit, formule de quantification des globules rouges par unité. Il faudra savoir là, il faudra faire un bon frottis, n'est-ce pas? Donc, vous allez faire la lecture. Il faut respecter les caractéristiques d'un bon frottis et puis la coloration, au moins, guiroir plus les IMSA, n'est-ce pas? Alors, on dit si le nombre de globules rouges du patient n'est pas connu, paragite par microlorite égale à nombre de globules rouges paragité multiplié par 5 millions sur 20 champs multiplié par 250. Je vous explique. Il faut avoir toujours les deux compteurs. D'accord? Les 20 champs là, ce n'est autre que les 20 champs qu'on va compter ici parce qu'on va compter au nombre de 20. Et dans chaque champ là, il faudra avoir au minimum 250 globules rouges. Voici d'où viennent les 20 et les 250. D'accord? Et puis, vous allez compter sur chaque champ-là le nombre de globules rouges parasités qu'il y a avec ce compteur, n'est-ce pas? Ici, vous allez compter le nombre de globules rouges qui sont parasités. Ici, le nombre de champs. Vous allez vous limiter lorsque le compteur des champs arrive à 20. Et on suppose que vous avez des champs donc, au minimum, vous avez 250 globules rouges, n'est-ce pas? Les 5 millions et autres choses qu'on vous a dit ici, si le nombre de globules rouges du patient n'est pas connu. Alors, vous savez que le nombre de globules rouges d'un patient normal, d'une personne normale, varie entre 4 millions à 6 millions. Alors, 5 millions est la moyenne, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer un champ microscopique d'où on peut avoir 250 globules rouges. Alors, regardons dans les champs ici sur les frottis, vous voyez? Vous voyez ici, on sait qu'on a le minimum 250 globules rouges. Et nous allons voir à l'intérieur des globules rouges, hein, on va voir les globules rouges qui sont paragités, n'est-ce pas? On va compter dans 20 champs comme ça. Et nous allons compter les globules rouges qui sont paragités dans chaque champ, n'est-ce pas? Voilà, voici, lorsque vous finissez de faire le comptage, n'est-ce pas? Je vous explique. Ici, on a compté 40 globules rouges paragités, n'est-ce pas? On va ajouter les 5 millions, vous voyez. Sur 20 multiplié par 250, c'est comme si on a 5 000, n'est-ce pas? Alors, il faut simplifier, n'est-ce pas? C'est comme si on prend 40 multiplié par 5 000 divisé par 5, que l'on va nous faire 40 000. 40 000, hein, gère paragité par microlitre. Voici comment on calcule le nombre de globules rouges paragités, n'est-ce pas? Vous voyez à travers la formule. Mais lorsque votre patient a fait l'NFS, il faudra prendre son nombre de globules rouges, les remplacer par les 8000. C'est ça qui est exact, n'est-ce pas? Lorsque votre patient fait l'NFS, vous allez avoir son nombre de globules rouges. Alors, vous allez remplacer ce nombre-là par les 5 millions. Alors, j'espère que cette vidéo va réellement conclure les débats. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on a des bulletins où vous allez voir 120, 100. Bon, en réalité, on ne sait pas comment est la quantification. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tous les techniciens vont quantifier la goutte épaisse. Et les essais thérapeutiques peuvent venir de l'erreur de quantification. Parce que les médecins savent à quel denticien parasitaire il faut aller par la voie d'injection, à quel serge parasitaire il faut aller par la voie per os. N'est-ce pas? Alors, limitez les erreurs de quantification de la goutte épaisse. Faites la quantification et je vais même donner quand est-ce qu'on parle de paligraphe pour encore orienter les médecins. Vous pouvez ajouter ceci, n'est-ce pas? Lorsque vous avez une serge parasitaire qui est élevé supérieur ou égal à 100 000 paragites par microlitre, là il faudra signaler paligraphe, n'est-ce pas? Lorsque la valeur est située entre 2 500 à 100 000, là c'est
par ligne moyenne, n'est-ce pas? Alors, lorsque la valeur est inférieure à 2500 paragits par microlitre, là, la lame, elle est faiblement fugitive, n'est-ce pas? Ça, c'est le traitement est possible par la voie perroise, ça veut dire que la voie orale. Alors, un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec